Alors, la prochaine conférence, ça va être une conférence de Sonia Gosselin. Probablement qu'Alexandre va intervenir aussi pour des points un petit peu plus techniques. Donc, pour présenter rapidement Sonia, Sonia, c'est une conseillère chevronnée chez nous en production laitière biologique. Elle est riche de ses 20 années d'expérience terrain. Et à l'heure actuelle, elle accompagne une trentaine de fermes dans la production laitière biologique et en transition. Elle les supporte principalement dans l'élaboration de rations très productives et optimisées et dans la gestion du troupeau. Alors, à toi la parole, Sonia. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran qui est ici. Voilà. Bon. Oups. Bonjour tout le monde. Bon, ça me fait plaisir de vous présenter des stratégies pour le printemps 2021 qui s'en vient. C'est toutes des conférences qui complètent Alexandre, pas Alexandre, Gabriel, puis qui font qu'on ne se répète pas, mais on va toujours dans le même sens avec ce qu'on a à dire. Puis Alexandre Tourigny va intervenir aussi à certaines PowerPoints que je vais présenter parce que c'est comme on parle des cultures et c'est moi je m'occupe des vaches, mais les cultures, c'est tout le temps un peu moins mon truc. Donc, on revient sur l'été 2020, là, on est tanné de le dire, mais bon. Il y a eu une sécheresse, manque de fourrage, il y a eu des mauvaises implantations de prairies, il y a eu du surpâturage qui s'est fait, il y a eu des récoltes intensives et tardives dans vos prairies. Donc, toutes des bonnes raisons pour qu'au printemps 2021, ça soit peut-être un peu serré, puis qu'on a à refaire des stocks. C'est une très bonne stratégie, puis c'est la stratégie qu'on a toutes oublié de faire, ben pas toutes, mais qui a été un peu négligée, puis que là, on doit vraiment s'y attarder parce que c'est la façon de s'en sortir, une des façons de s'en sortir. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que au printemps 2021, il va falloir être assez proactif, puis de faire des visites au niveau de vos prairies, de vos pâturages pour aller voir l'état, l'évaluation, dans quel état elles ont passé l'hiver, qu'est-ce qui reste. Puis, si vous ne voulez pas le faire, vous demandez quelqu'un pour le faire, puis faites-le partout. Faites-le pas juste dans les nouvelles prairies ou les vieilles prairies que vous pensez qui peuvent être endommagées, là, mais il faut le faire partout. Donc, une tournée pour faire une évaluation, qu'est-ce qui se passe à mes prairies ce printemps, la survie à l'hiver. Puis, on veut plus que moins, il faut toutes mettre les chances de votre côté, là, parce que beaucoup de producteurs ont des stocks justes. Donc, ce n'est pas le temps de prendre des chances que ça soit peut-être correct en 2021 durant l'été pour les récoltes. Là, si vous avez trop de stock, qu'on s'arrangera bien, là, ça ne sera pas un gros problème. Là. Donc, on veut plus que moins. Fait qu'il faut prévoir, si vous avez prévu faire des... Si vous voulez faire des sursemis, il faut prévoir avoir le stock de semences disponibles parce que ça se fait assez de bonne heure le printemps dans les pâturages ou dans les prairies. Donc, ce n'est pas le temps de commencer à courir des semences. Là. Là, je voulais qu'Alexandre, tu rajoutes un point là-dessus sur les sursemis. Oui, ben en fait, dans la prochaine diapo, on va parler un peu plus là, des différentes techniques. Là, on n'aura vraiment pas le temps de toutes les aborder, mais disons, au niveau des choix de semences, moi, j'insisterais autant sur le choix de la semence en tant que telle. Par exemple, bon, au niveau de la semence, pourquoi le trèfle rouge? Ben, autant dans les essais qu'on a fait au niveau des plantes fourragères en régie biologique qu'au niveau des engrais verts, on utilise souvent le trèfle rouge par rapport à sa capacité, sa belle capacité d'implantation, peu importe les conditions ou la façon qui a été semée. C'est quand même une graine assez grosse, donc qui est assez résiliente, peu importe les conditions. Fait que là, l'objectif en bio, c'est non seulement d'avoir du stock, du foin, mais c'est aussi d'occuper l'espace pour minimiser l'impact des mauvaises herbes. Donc, le trèfle rouge là, s'avère une bonne option. Puis, écoutez, là, sinon, c'est d'avoir le stock en main et d'en parler avec votre conseiller là, au niveau des semences là, pour pouvoir réagir rapidement au printemps. Bon, excusez-moi, mais full techno, je n'avais pas partagé mon écran. Je pensais que j'avais partagé, mais il n'était pas partagé. Donc, désolé. Je peux revenir, mais de toute façon, ce que je vous ai dit, c'est ce qui était écrit dans le PowerPoint. Là. Mais bon, c'est bien moi ça.
Je suis meilleure que les vaches que avec le PowerPoint. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais aussi que tu parles aussi au niveau de la planification. Si on veut faire des sursemis, ben, il faut planifier les semences, puis il faut planifier aussi les techniques. Fait que ce sera peut-être on a une présentation cet après-midi qui parle des essais qu'on a faits avec différentes techniques de sursemis. Fait que vous verrez peut-être laquelle qui est plus efficace, puis laquelle que vous pensez adopter chez vous pour tant qu'à faire du sursemis, il ne faut pas le faire, il faut que ça marche là, parce qu'on ne gaspille pas du temps puis des semences pour rien. Là. Donc, je ne vous réponds pas tout de suite. Vous écouterez après-midi quelle technique est la plus pertinente. Sonia, là-dessus, est-ce qu'on m'entend? Oui. Ben, peut-être au niveau de la technique, là, je pense que ça aussi, ça vaut la peine de le planifier puis de le réfléchir maintenant. Parce que ce qu'on voit, c'est souvent au printemps, c'est tôt, une des périodes d'intervention qui peut être super efficace, c'est vraiment tôt au printemps, surtout que la neige a fondu. Là, fait que si la stratégie n'est pas planifiée d'avance, vous pouvez, entre guillemets, passer tout droit. Là, parce que tantôt, Carl en a parlé, là, mais au printemps, il y a beaucoup de. Le sol peut s'assécher rapidement parce qu'il est exposé. Il y a moins de végétation. Donc, si la meilleure façon d'assurer une bonne implantation, c'est de y aller tôt au printemps quand le sol est encore humide. Donc, voilà pourquoi c'est important de le planifier d'avance. Là. Je te laisse la parole, Sonia. C'était mon commentaire. La fertilisation, ben c'est bon. Ça va être important on peut faire du sursemis, on peut faire des. Mais tu sais, la fertilisation va devenir très importante d'avoir. Si vous voulez que ça pousse, là, c'est comme le nerf de la guerre. Là. C'est pas le temps de faire des économies là-dessus. Là. Donc, peut-être à retenir par rapport à la stratégie de fertilisation, encore là, ça vaut la peine de le planifier. Évidemment, en bio, c'est sûr qu'on est limité par rapport à nos éléments au niveau de l'azote, là, principalement, évidemment, nos apports d'azote. Donc, ce serait de prévoir peut-être une stratégie où vous allez apporter peut-être plus d'avantages de votre fumier ou les engrais organiques de type lisier dans vos prairies à dominance de graminées. Puis, peut-être vérifier au niveau des analyses de sol là, dans les prairies de type légumineuse pour s'assurer que vous avez suffisamment de potasse et de bore, particulièrement le bore. On sait qu'au Québec, en tout cas, du moins, les sols sont souvent naturellement pauvres en bore, puis les légumineuses sont exigeantes avec cet élément-là. Puis, au niveau de le potassium, bien, les légumineuses sont exigeantes également. Puis, on voit là, dans les entreprises là, qui sont en régie bio depuis plusieurs années, qui a, malgré les apports réguliers de fumier lisier, une baisse des quantités de potasse là, dans les champs. Donc, c'est à voir finalement là, avec votre conseiller là, au niveau de la fertilisation, à savoir si, parce qu'on peut en bio apporter de la potasse là, sous forme d'engrais minéral sous certaines conditions, évidemment, là, mais bref, ce seraient les points à regarder. Excuse Alexandre, c'est Michel Carré, j'ai une question, excuse d'interrompre. Est-ce qu'il serait approprié d'appliquer des fertilisations de lisier avant d'effectuer un sursemis? C'est question de Éric. Bonne question, dans le sens que moi, j'aurais tendance plutôt à privilégier moi, les stratégies. J'entends du son, je ne sais pas si. En tout cas, bref, j'aurais tendance à privilégier les stratégies, moi, de plutôt aller semer le plus rapidement possible. Puis pour ce faire, souvent, ça va se faire dans des conditions où le sol est encore humide, là, donc tôt au printemps. Fait que ce que ça dit, c'est qu'il faut y aller avec des appareils, des machineries qui ne créeront pas de compaction. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier le semis, par exemple, soit avec ça peut être tout simplement un quatre roues avec un épandeur à la volée ou un petit tracteur, là, le petit tracteur de ferme avec un épandeur à la volée ou même ça peut être fait sur la gelée tôt le matin. On voit ça souvent là, vers 4-5 heures le matin. Là, le sol est gelé et est encore humide. C'est souvent ces fenêtres-là qui sont les meilleures. Donc, j'aurais plutôt tendance à privilégier le semis plutôt que l'application d'engrais. Au printemps.
Au printemps, oui. Continue. Voyons. Je prends... OK. Donc, justement, faire du sursemis dans nos stratégies ici. Bon, c'est ça, je n'avais pas assez. Dans les stratégies, Gabriel, il en a parlé, prévoir plus de superficie de maïs pour que c'est du maïs grain qu'on pourra ensiler. Ça, cette année, sincèrement, ça a sauvé la vie de bien des fermes, bien des agriculteurs, puis bien des vaches. Puis c'est une belle découverte pour certains agriculteurs. Fait que il y en a qui ont fait ça comme pour se sauver les fesses parce qu'il manquait de foin. Puis finalement, je pense qu'ils vont le refaire à chaque année parce que c'est super. On a de super bons résultats de production. Puis c'est un aliment qui est agréable à travailler quand on est bien installé puis qu'on a du beau maïs. Puis cette année, ça a fait un beau maïs avec les conditions de météo qu'on a eues, là. Donc, après ça, une autre stratégie qu'on peut faire, si au printemps, vous visitez vos parcelles, puis il y a des parcelles qui sont vraiment pathétiques, puis que vous décidez de ça ne vaut pas la peine de les réparer ou de faire un ressemis, bien, peut-être d'implanter du maïs dans ces prairies-là détruites au printemps, ça peut être une bonne idée. Prévoir, ressemer, en tout cas, planifier dans vos affaires qu'il y a des grosses chances qu'il y a des prairies que vous avez implantées l'année passée, que cette année, ils vont être un peu misérables. Donc, peut-être de prévoir d'avoir les semences en main chez vous pour être capable de réimplanter rapidement ces prairies-là. Peut-être pas juste de remettre un vasage, mais de le recommencer, ça se peut. Ensuite, si vous avez des parcelles de sec d'automne que vous avez faites, ça peut être un super de bon dépanneur en pâturage. Ça se pâture super de bonne heure au printemps. Là. Il y a presque de la neige encore dans les champs, là, puis que les vaches peuvent sortir, parce que ça pousse assez de bonne heure. Donc, peut-être aller si c'est accessible pour les vaches, là. Allez pâturer ces parcelles-là, puis c'est pas dangereux là, quand même que vous les maganez, là, puis qu'on pâture pour faire manger les vaches, là, mais c'est pas pour faire du long terme. Là. Donc, ils peuvent pâturer le seigle, les vaches adorent ça, c'est appétant, ça donne des super bonnes productions laitières. Puis, suite à ça, quand ils auront vraiment tout pâturé votre seigle d'automne, bien, ça pourrait servir à faire une implantation de prairies, puis ou une implantation d'herbes de soudaire pour avoir des fourrages. Ça pourrait être aussi récolté en verre un petit peu plus tard pour faire des fourrages d'appoint si vous voyez que vous êtes pour manquer de foin. Là, c'est une autre solution. Ça pourrait être réimplanté après en herbe de Soudan. Je ne sais pas si tu as des suggestions, Alexandre, à rajouter là-dessus. Bien, moi, en fait, là, les points sur lesquels je mettrais l'accent sur ce que tu viens de dire, c'est par rapport à l'herbe de Soudan, oui, c'est un beau plan B. Puis en plus, c'est que c'est une plante qui est de climat chaud, donc plante de climat tropical. Donc, c'est une plante qui tolère bien le fait d'être implantée assez tard, là, donc à partir de juin. Fait que ça nous donne quand même le temps de réagir, en fait, au mois de mai, puis de pouvoir l'implanter comme plan B, finalement. Puis, j'insisterai également sur le fait de parler des céréales d'automne. Je pense que ça vaut vraiment la peine de regarder la façon dont on est capable d'introduire les céréales d'automne dans la rotation. Puis, il y a plusieurs fenêtres dans lesquelles on peut le faire. Il y a, par exemple, après un maïs en silage, après une jachère de prairies, donc après une destruction de prairies, on peut ressemer une céréale d'automne. Après le soya, des fois, on a le temps, soit que la céréale d'automne est mise à la volée ou après la récolte. Ou ensuite, après une céréale de printemps. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs fenêtres dans lesquelles on peut implanter une céréale d'automne. Puis, ça vient vraiment nous aider au printemps à définir c'est quoi la meilleure stratégie avec un plan A, plan B, c'est-à-dire soit la récolter pour la paille ou même, comme disait Sonia, la récolter en verre pour le foin. C'est toutes des choses qui font que vous êtes capable de vous dépanner avec, selon la météo, vous êtes capable de vous adapter. Là. C'est des stratégies de résilience. On suggère encore de faire des sursemis dans vos parcelles pour augmenter les rendements, surtout dans des années où on est tombé avec pas beaucoup de stock dans les granges. Là. Fait que, puis même, à la limite, ça pourrait être une stratégie à adopter régulièrement à toutes les années de faire des sursemis dans les parcelles pour augmenter vos rendements. Donc, c'est pas quand on aura trop de foin, on s'arrangera bien avec ça. Là. Évitez de trop étirer vos prairies pour maximiser les rendements. Puis,
Il y a toujours nos fourrages d'urgence qu'on connaît, là, qu'on parle depuis toujours, là, l'avoine de pois avec l'avoine de pois, avec on a de l'herbe de soudain, puis on a lancé la jamaïs. Ça tourne pas mal tout le temps autour de ces plantes-là, là, les plantes les plus connues pour les plantes prairies d'urgence. Là. Est-ce que tu voulais. C'est bon, Alexandre, tu rajoutais quelque chose ou c'est bon? Non, ça va. C'est bon? Donc. Une autre façon de sécuriser, Gabriel en a parlé, c'est d'acheter du foin aussi, parce que si vous savez que vous êtes juste, que vous allez arriver juste au printemps, puis qu'au mois de mai, les vaches vont sortir dehors pour avoir de quoi manger parce qu'il vous reste 10 balles rondes dans la grange, là, c'est sûr que ça vous met une énorme pression au printemps là, pour performer, là, pour avoir du foin. Là. Donc, peut-être de prévoir d'en acheter si vous êtes capable d'en trouver pour avoir une petite réserve au printemps pour être moins serré puis pas être obligé de récolter la première coupe et de la faire manger au fur et à mesure. Là. Vous n'arriverez jamais à vous faire des stocks si on fait ça. Ne pas négliger la fertilisation puis la chaulage pour avoir des bons rendements, on l'a répété. Puis peut-être de penser à faire plus de pâturage dans la ration. C'est une façon d'économiser des fourrages récoltés quand c'est possible. En fonction de votre ferme. C'est toutes des façons qu'on vous amène de trouver des façons de réfléchir pour amener à sécuriser vos rendements puis à sécuriser vos stocks de fourrage. Il y a peut-être, j'ajouterais peut-être un élément là, que je n'ai pas mentionné, mais que j'aborderai pas, mais qu'on va peut-être parler au cours de la journée. Mais c'est, puis il y a un intervenant là, qui le soulignait également, là, c'est au niveau des sursemis, mais. Après les coupes de foin, là, mais plus. Il y a toute une stratégie à y avoir en fin d'été et à l'automne pour s'assurer d'un bon inventaire de foin. Là, je ne sais pas si là, je sais que le temps avance, c'est Sonia qui gère le temps, mais Sonia, j'aurais aimé ça. Peut-être on parle beaucoup, là, Gabriel en a parlé tout à l'heure là, de se faire un inventaire. Toi, tu y reviens aussi que l'importance de se faire un inventaire de foin. Principalement, j'imagine, dans les bonnes années. Mais combien de temps on peut, entre guillemets, garder un inventaire? Là, dans le fond, en principe, il faudrait le garder presque un an si on peut savoir si l'autre saison était bonne ou pas. Ben, c'est que des balles rondes enrobées, bien enrobées, ça ne se conserve pas éternellement. Là. Du foin sec, 2 ans dans une grange, ça va. Des ensilages, un silo autour, ça se conserve. Ce qui est dans le fond, ça se conserve assez bien. Là. Ça se conserve peut-être pas 5 ans, là, mais 2 ans, c'est pas dangereux. Un bunker, pareil. Des hack bags aussi. Ce qui se conserve peut-être, ben, pas qui se conserve pas, mais tu sais que c'est des ballerons d'enrobés ou des boudins. Là, à un moment donné, plastique qui n'est pas fait pour être résistant pendant 3-4 ans. Il ne se décompose pas, mais l'étanchéité et tout ça, là, la balleronde va se dégrader un petit peu après un an et demi, mettons, quelque chose du genre. Là. Fait que, si on l'a récolté au printemps 2020, ben, rendu à l'automne 2021, là, ça commence à être du bord de la fin là, d'une balle ronde, là, si on fait une image. Là. Fait que plus qu'elle est sec, c'est moins pire, mais quand même, ce n'est pas recommandé d'avoir du foin qui dure 2-3 ans en balle ronde enrobée. Fait qu'il faut savoir gérer ces stocks-là d'une bonne façon. Là. OK. Puis au niveau des bunkers, je ne sais pas si tu l'as peut-être mentionné. Mais... Oui. C'est pas mal plus facile à conserver parce que c'est comme une grosse masse compactée avec bien fermée sur le dessus, là, avec des bons plastiques et une bonne une couche de. J'appelle ça du saran wrap, là, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle. Là, mais, puis bien avec l'intérieur. Et... Ouais, ça peut quand même. C'est quand même assez stable là, pour se conserver, il n'y a pas de problème. Puis si on avait, peut-être dernière question, si on avait privilégié la conservation du foin versus l'ensilage de maïs, y a-t-il une différence ou les deux sont aussi sensibles? Ah, ça se conserve bien. Souvent, l'ensilage de maïs, c'est soit un silo autour, un bunker ou un hack bag. Là. Donc, ça se conserve assez bien. Là. Puis, dans le fond, vous avez tout avantage à avoir même l'ensilage de maïs qui a au moins, si vous êtes capable, au moins qu'il y a 6 mois de fermentation avant de le servir, ça serait l'idéal parce qu'elle est vraiment plus digestible et elle est vraiment à son meilleur. Mais en tout cas, c'est comme un vœu pieux, là. On aimerait ça, mais on n'a pas toujours, même qu'on ne l'a pas souvent. Là. Idéalement, ça serait qu'il. Ça serait une bonne stratégie, finalement, de se faire. Oui, oui. L'idée, c'est que c'est l'ensilage de maïs. Par contre, c'est compliqué. Si c'est un hack bag ou un bunker, c'est facile d'avoir une avance et de l'utiliser l'avance, mais si c'est dans un silo tour puis vous ensilez toujours par-dessous votre ensilage de maïs, bien forcément, le frais est sur le dessus puis le fermenté il est en dessous puis on n'y a pas accès. Là, fait que c'est un peu compliqué. Là, fait que, à moins d'être capable de gérer des silos, là, ça, c'est, il faut avoir plusieurs silos. Là. Donc, chaque ferme a
une réflexion à faire puis une stratégie à développer. Idéalement, si on serait capable que vos fourrages 2021, vous y touchiez pas avant le mois d'août, ça serait comme petit guidou, mais ça, c'est un, je vous le souhaite tous, mais c'est pas évident là, qu'on réalise ça. Mais si on est capable, ça serait comme l'idéal. C'est une réserve de fourrage, c'est quelque chose de sécuritaire, c'est flexible, puis ça vous permet de mieux dormir. Je pense que c'est quand même pas négligeable. Donc, pour la saison 2021, ce qu'on vous souhaite, c'est du soleil, de la pluie, du soleil, de la pluie, en alternance, pas tout en même temps. Merci. Merci beaucoup, Sonia. C'est intéressant votre présentation. Merci beaucoup, Alexandre, aussi. Est-ce que Michel en a des questions? Salut, Sophie. Bon. Oui, moi, j'ai quelqu'un qui a levé la main. C'est, je ne sais pas, mais je n'ai pas eu de réponse. C'est... excusez, je cherche son nom. Mélissa, Porte de l'eau. Est-ce que vous avez une question à poser? Non, je n'ai pas de réponse. Non. Voilà la question. Que pensez-vous du sursemis après la troisième coupe? C'est des essais qui ont été faits, là, qu'on va répondre tantôt avec la présentation. Mais... ça peut être une bonne idée. Bon, j'ai Mélissa ici, je ne sais pas, je demanderai peut-être à Cathy là, de réactiver son micro parce que je ne suis pas capable. Oui, je lui ai demandé, puis si jamais elle veut parler, elle a l'autorisation présentement. OK, bon, mais c'est bon. Bon. Prendre la parole? Sophie, si tu veux brancher des écouteurs, ton micro est devenu un peu étrange. Ouais. Bon, j'ai une question qui m'est rentrée. Là. On parle beaucoup de stock de foin ou d'un autre côté, de plutôt faire des superficies de mise en silage parce que c'est plus payant de vendre du foin versus des grains bio. Ma question, est-ce qu'il y a des initiatives pour être certain que notre secteur cultive assez de foin bio pour l'ensemble des producteurs? Il n'y a pas rien officiellement de fait, mais c'est quelque chose qu'on voulait... En tout cas, on voulait faire un genre de projet pilote là, avec d'arrimer des producteurs de grandes cultures avec des producteurs qui auraient besoin de fourrage bio. Ça peut être des producteurs de lait, ça pourrait être des producteurs de bœuf. Essayer d'arrimer ces gens-là parce qu'un bénéficierait de l'autre. Là. Autant que la grande culture, cultiver des fourrages, ça peut être intéressant dans ces rotations. On a discuté de quelque chose de ce genre-là, mais... on voulait peut-être faire des essais de projets comme ça, mais vraiment à petite échelle avec quelques producteurs. Puis après ça, si ça fonctionne, on pourrait peut-être lancer l'initiative un peu plus at large. Là. Mais c'est quelque chose qu'on réfléchit parce qu'effectivement, ça devient un problème récurrent pour certaines régions ou pour certaines. Il y en a qui sont juste avec les terres, puis c'est pas tout le monde qui peut faire de l'ensilage de maïs. En tout cas, oui, on n'a pas la solution, mais on y réfléchit puis on travaille à faire des choses. Ben, je pense que Sophie, tu es impliquée là-dedans. Là. Okay. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant à la fois pour les producteurs de grandes cultures, bio que les producteurs laitiers, mais c'est sûr que cette espèce d'arrangement-là nécessite un excellent voisinage, soit des traits de machinerie ou en tout cas des ententes qui vont être solides là, entre les producteurs. Donc, c'est, Ouais. Dans les prochaines.